Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. La troisième saison de Les 50 arrive à son dénouement ce vendredi 6 décembre 2024. Après trois mois de défis, de stratégies et d'émotions, Hilary, Kevin Gage et Enzo s'affrontent une dernière fois pour décrocher le titre tant convoité et offrir une belle cagnotte à l'un de leurs followers. Le chemin vers la finale, une compétition sans répit. L'épisode du mercredi 4 décembre a vu les quatre derniers candidats se mesurer à un défi de rapidité organisé par le Lion. Hilary et Enzo se sont brillamment qualifiés, laissant Julie Ricci et Kevin s'affronter pour la dernière place en finale. Malheureusement, Julie Ricci, qui avait marqué cette saison par sa détermination et sa romance naissante avec Nicolas Lozina, a quitté l'aventure, le cœur un peu allégé par l'amour qu'elle a trouvé. Avec Hilary, Kevin et Enzo en finale, les attentes sont élevées. Chaque joueur a prouvé sa valeur, non seulement par ses performances mais aussi par son investissement émotionnel dans cette compétition. Une cagnotte en constante évolution. Dans l'épisode inédit du 5 décembre, les trois finalistes ont redoublé d'efforts pour faire grimper la cagnotte, destinée à un de leurs followers. Le défi du jour, proposé par le Lion, consistait à visiter sept lieux précis en un temps record. Malgré une blessure à la jambe pour Kevin, l'équipe a réussi à relever ce défi, ajoutant 5000 euros à la cagnotte, qui a ainsi atteint 19 608 euros. Mais ce n'était pas tout, le Lion a ensuite missionné son fidèle renard pour proposer un ultime défi à Kevin. Ce dernier devait mémoriser les emplacements de 51 cartes représentant les joueurs de la saison. Un exercice d'une complexité redoutable, mais que le Marseillais a brillamment réussi, ajoutant 6000 euros supplémentaires à la cagnotte. Celle-ci culmine désormais à 25 608 euros, un record pour cette troisième saison. Admiration et rivalité entre les finalistes. La performance de Kevin a impressionné ses adversaires. Enzo, pourtant concurrent direct, n'a pas caché son admiration. Kevin, c'est une dinguerie ce qu'il a fait, c'est magnifique. Il est complet le mec. Je suis choqué. Cette camaraderie, mêlée à une compétition acharnée, symbolise l'esprit de cette saison, des rivalités intenses mais souvent teintées de respect mutuel. Un suspense insoutenable avant le verdict. Avec une cagnotte désormais bien remplie et des candidats au sommet de leur jeu, le suspense est à son comble. Qui de Hilary, Kevin ou Enzo sera sacré élu de cette édition? Les téléspectateurs devront patienter jusqu'à la grande finale pour connaître le dénouement de cette aventure palpitante, animée pour la première fois par Mélanie de Digama.